Jackson. Ah, c'est super. Il y a des détails naturalistes qui sont vraiment incroyables, comme la veste qui bouge avec le vent, légèrement à droite, les détails végétaux, le visage qui est très doux, c'est un chef d'œuvre. Franchement, tu te sens dans la... In situ face aux objets. Ah bien sûr, je pense qu'il n'y a que là qu'on peut vraiment comprendre toute la logique des choses et aussi s'imprégner d'une ambiance dans une église peu éclairée à la bougie, surtout quand on a des lettres sculptées, mais évidemment ce jeu de lumière il est très important. Elles étaient certainement peu éclairées en fait, on ne devait pas bien les voir. Parfois elles étaient rehaussées de peinture, donc on voyait il y avait de la peinture dans les lettres, ou même du mastic noir pour faire ressortir ça. Thank you, thanks a million. Now, you're going where? Givisili. Givisili. Ah, what's it? Okay. Take care. Bye bye. Bye bye. Okay. And please send me everything. Anything you find, for me, it's a benefit. Okay. La rencontre est essentielle, sans ces personnes-là qui nous ouvrent les églises, qui nous expliquent aussi toute l'histoire. On ne peut pas faire notre recherche. Et en même temps, ils ont besoin de notre expertise. Il y a des plantes. Non. Ce serait côte à côte. Oui, en fait, ça serait la suite. Sur deux lignes, ouais, ce serait logique. L'affiche, je peux voir le texte transcrit. Ça peut être même ainsi inversé. Giste, vous avez vu le S? Oui. Gautier. 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 Voilà. Attendez, est-ce que je peux me mettre derrière pour vous aider? Vas-y, à personne. On va la coller derrière. On compte ce qu'on fait quand on met la foi pousse. D'accord. Tu tires chez toi. Là ça va. Là, bon. Alors là, je suis totalement serein. Encore un petit peu. Les trois pierres tombales étaient dans l'église, elles ont été déplacées dans ce espèce de petit garage juste à côté. Elles étaient retournées, donc on ne les voyait pas, on a dû tourner les pierres qui pèsent des centaines de kilos pour pouvoir voir les inscriptions. Et il y a bien des inscriptions derrière les pierres retournées. Et là, le prêtre nous expliquait qu'il est en train de faire un petit livre sur l'église, sur l'histoire de l'église, et justement, il lui manque cette partie latine. Donc on fait un échange de données, on va dire, et on va lui transmettre évidemment toutes nos recherches et les images. This is the stamp of the village, 1960. Ça peut être byzantin, peut-être même pas latin. Ça, c'est vraiment la chance. Ah ouais, belle matinée, hein. Uh-huh. On termine en beauté. Thank you very much. Thank you for everything. Have a nice trip. Oh, and please send you everything. Send everything, please. Yeah, yeah. Okay, that's good. See you later. Thank you. Have a nice trip back. Bye bye. Thank you very much. Hello. Oh. Regardez-moi.